Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Alex Bell qui vous parle et bienvenue sur l'ancienne chaîne Zukiku Team. Oui, parce que vous l'avez peut-être vu, bon, on a encore quelques modifications à faire, mais on a changé de nom de la chaîne pour Fun Incorporation. Parce que bon, Zukiku Team, ça le fait, ça peut le faire, mais on s'est dit évidemment, enfin éventuellement, que ça peut-être changer un jour, donc ce jour c'est aujourd'hui. Ah voilà, et on commence une magnifique vidéo par un bel article d'un. Alors, aujourd'hui c'est une petite, petite séance, on cherche quoi? On cherche un Pokémon qui peut avoir coupe. Donc oui, on avait un beau Saturne. Ah là, je vais le tuer par contre, quel con. Youpi. Bon, il faut qu'on trouve un Pokémon subtil, non, qui serait apte à prendre coupe. Mais lui, il joue bien, mais... On va essayer de l'avoir comme ça. Et dans Pokémon bleu, c'est horrible, ça. Il n'y a pas moyen. Mais Buldo, ça le tue déjà. On va essayer plaquage. Ok, d'accord. Peut-être... Ah, Magneton. Là, il peut pas avoir coupe. Il n'y a déjà pas de... Il n'y a déjà pas de bras. Oui. Eh, mais punaise. Faudrait que j'apprenne à prendre mon temps. On va le voir autre part. Alors, que dire sur la chaîne? Oui, c'est bientôt les examens. Enfin, c'est bientôt la fin des examens. Vendredi, j'aurai fini. Donc après, il y aura un rythme plus conséquent de vidéo. Enfin, j'espère, je pense. Je pars déjà en vacances le mois de juillet. Non, vous inquiétez pas, il y en aura. Oh, Kangourex. Par contre, c'est une bonne idée. Ok, bon, on va y aller franchement. Je savais pas que Buldo c'était plus puissant que pistolet à eau. Les bulles, ça fait mal. Allez. Ok, d'accord. On peut pas juste capturer le petit là qui est dans la poche. Mais ça y est, presque. Ah bah on est con. Le soleil échoue. Ah voilà. Alors. On n'avait pas de super. Pas de super ball. Allez, mais rentre. Oui, voilà, un beau Kangourex. Allez, si on veut lui donner un petit nom. On va essayer. Où est le cas? Ça, je m'étais fait la réflexion avant. Kangakoup, voilà. C'est un nom de merde, mais on sait qui a coupe maintenant. Et là, je vais me faire troller parce qu'il peut pas la prendre. Comment se faire troller? Oui! Eh oui! Articodin, casse-toi! No? No! Du premier coup! Bon, là aujourd'hui on capture à fond. Allez, toi tu peux la prendre quand même, tu es un gentil garçon. Et c'est pas possible! Par contre, s'il y a aucun Pokémon qui peut apprendre coupe, on est un peu dans la merde. Carapuce, tu pues. On a tellement de... Ouh. Toi, si tu peux pas, je comprends pas. Oh, comète. Ok. Perfect. Voilà.
Ah non. Si, juste pour le fun. On va mourir. YOLO. Oui. On a trop de chance. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. On a de la thune quand même, faut pas. Ah, 6 000. Le retour de la fortune. Mais écoutez, on va bourriner le Pokéball. On n'a rien d'autre à faire de toute façon. Alors, combien d'épisodes je compte faire? Je sais pas si j'avais déjà répondu à ça. On n'a aucune idée. Là, on est au troisième badge, mais on est au quatrième épisode. On va peut-être compter à peu près 12, peut-être 12 épisodes. Ouais, ça me paraît bien ça, 12. Coquillasse, non. Trio Picker, non, déjà pas de bras. Colossinge, niveau 9. Taré non plus. Charlton non plus. Ah oui, mais non. Ah, si tu veux bien me prêter ton bulle bizarre. Allez! On va se faire troller par tout le monde. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Je cherche, hein. Voilà, bon, on va essayer de le capturer quand même. Et ben, non, par contre, s'il rentre déjà pas. Allez! 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 Attendez! Ah, j'ai une idée, j'ai une idée. Ça va être peut-être ça va être un peu long. Je vais retourner au début là, je vais passer par la grotte, par la cave Topicker. Je vais faire une ellipse et on se retrouve de l'autre côté. Allez, on peut Ciao. pas. J'avais oublié ça. Oui, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave. Écoutez, j'ai capturé un Machoke. C'est encore une de nos chances. Allez, on prie. Mais non! Comment on va faire? C'est pas possible. Il y a forcément un moment là, c'était obligé quoi. Ça pouvait. Pikachu, Pikachu. Allez, Pikachu, t'es gentil toi. Dis-moi que tu peux avoir coupe. Si lui peut pas avoir coupe, à part le colossinge qui est impossible à capturer. Je sais pas comment on va faire. Peut pas. Mais qui peut apprendre coupe, c'est pas vrai. Ah bah oui, il y a. Attends, on va les déposer. Kanga coupe, Mecha pas coupe. Soporifique, Machoke, Pikachu, voilà. Et là-dedans, je regarde aucun, parce qu'ils sont pas terribles. J'ai essayé d'aller choper le Salamèche à Monistar. Non, à Monistar, non. Ça m'étonnerait. Non, allez, je veux le petit Salamèche. Problème. Voilà, Salamèche. Alors, oui, ça. Par contre. On peut utiliser la technique. Voilà, et on attend. Je suis très concentré, le seul truc que je fais c'est spammer les confusions. Et non. Mais je mourrai, hein, c'est pas grave. Ah, ok, on va essayer là. Bon, si tu rentres pas mon grand. Allez. Mais non, c'est pas possible, arrêtez. Tuez-moi. Entre. Mais il est mort. Je peux pas le faire bulldo. Le seul truc que je peux faire c'est confusion. Donc bon, écoutez. Vu qu'on est dans la mouise du début à la fin de cette aventure, on va les prendre. Pikachu. On va essayer de se faire Pikachu. Pikachu
morceau dont je ne suis absolument pas fan du tout. Macogneur, oula. Ça va être un peu chaud. Et ouh, après. C'est de puissance. Parfait. Allez, 4 chances. On a que 4 chances. Avec du premier coup, voilà. Alors lui, normal. Attendez. On va pas se retrouver encore une fois. Là j'ai peur. Allez, mon petit, tu peux. Oui, il peut apprendre coup. On est sauvé, c'est bon. Punaise. Une magnifique idée pour un nom, le nom de la vidéo, ça va être magnifique. Alors, stocker Pikachu, il est utile, mais pas plus maintenant. Du coup, on va pouvoir se faire l'arène, Salamèche, coupe ça. Alors oui, la troisième arène. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'arène électrique de base, enfin c'est censé l'être. Ils ont trouvé un drôle de moyen, j'ai pas trop compris le délire. Donc en fait il y a un bouton dans chaque poubelle, enfin il y a deux boutons qui sont cachés dans toutes les poubelles. Et il faut les trouver, il faut trouver les deux, activer les deux, mais de suite. Donc bizarrement dès qu'on se trompe, ils changent de place. Ça c'est extrêmement bizarre, c'est pas logique du tout. Pour ajouter un peu de difficulté, écoutez, on va mettre Salamèche devant. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais voyons ce que ça donne. Ah, sans blague, fun là. Bon, ça tueur, hein. Un petit bulldo. Allez, finis-le. Voilà. Magikarp. Magikarp. Ok, de 1. Deuxième. Bon oui, là on va... j'oublie tout le temps, on va éviter d'accélérer, on va prendre le plaisir. Allez. Ça la mèche. Écoutez là, on se parle. Je pense qu'on va se faire dégommer. Oui. On va changer. On va prendre Terra. Qui devrait être plus efficace, mais niveau 33, je sais pas... C'est quand même abusé quoi, 33. Donc oui, c'est... On monte autant de niveaux, c'est pas parce que j'ai farmé comme un malade. C'est parce qu'on est tombé sur des Pokémon qui sont extrêmement... Enfin, pas extrêmement, juste... Qui sont juste... évolués en fait, c'est les derniers stades, comme un Persian ou ce genre de choses, ça donne beaucoup de points d'XP ça. On va changer, on va prendre le Chatueur. Donc ça peut être plutôt pratique pour farmer ça. D'aller tuer des Sulfura et des Articodes. Ouais, d'aller tuer des Toupiqueurs. Oui, allez hop, boum. Donc dans cet épisode, pour l'instant, on a juste cherché un Pokémon avec coupe, mais on va faire l'arène. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On verra après, voilà. Hop, aujourd'hui ça, la YOLO, on a le temps, on en profite. Voilà, petit coup. Ok, parfait, donne la thune, allez, 500. Marrant quand même comme on les raquette, c'est les gens, c'est magnifique. Donc là, j'accélère un peu, on va les soigner. Ok, on arrête d'accélérer et le monsieur qu'est-ce qu'il dit? Salut champion en herbe, le Major Bob a un surnom, on l'appelle le Riquin. L'Américain. Un Pokémon électrique, volant aquatique, faut aussi gaffe. Oui, de toute façon ça c'est... Il te faudra résoudre une énigme pour arriver jusqu'à lui, trouve les boutons dans les poubelles. C'est parti. Allez, marche, marche. Facile, hein. Major Bob, c'est sûrement un mec de l'armée ça. L'armée américaine du coup, vu qu'il s'appelle Riquin. Enfin, il s'appelle pas Riquin, mais... Tout son son. Mais arrêtez un peu.
peux pas mettre un petit but bizarre, un truc comme ça? Donc je pexe un peu. Tiens, il échoue, c'est bien. Tu fais cruel, mais moi j'échoue pas et tu meurs. Pas. Je pensais qu'avec mes 10 niveaux, j'aurais pu le. Le brain. Ah, Salomon il va bientôt évoluer, c'est déjà ça. Gros yeux. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Griffe, rugissement. Bon, écoutez, tant qu'on y est, gros yeux. On peut baisser la défense un peu mieux que l'attaque de l'autre. Papel, les gros yeux, ça doit être efficace pour Rondoudou, un truc comme ça. Je rigole, bien sûr. Tiens, 1600, c'est un Richard, ça. Alors maintenant, on cherche. J'ai l'état d'ordure à Miam avec la même phrase récurrente. Oh, un bouton dans la purée du deuxième coup. Dingue, le premier verrouillage est levé. Alors maintenant, à droite, à gauche ou en dessous? Oui, donc le deuxième bouton est périphérique en fait. Donc c'est pas celui du dessus. Moi je verrais bien pour celui de droite, celui-là. On va appuyer dessus, attention. Une bobelle bien dégueulasse. Oups, les verrouillages sont en place. Ok, je pense que ce sont les seuls monologues que notre personnage peut dire, quoi. En fait, les seuls moments où il parle, c'est pour dire des trucs aux meubles. Il parle aux meubles, c'est magnifique. Oui, joli tas d'ordures. Ça m'arrangerait en fait qu'il y en ait un ici. Ah, parfait ça. Donc par déduction, c'est censé être celui-là. Ah, donc c'est absolument pas ce que je pensais. Bon écoutez, là je vais accélérer parce que ça va être un peu long. Voilà. Ah, premier bouton, deuxième est là. Voilà, parfait. C'est bon, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il y a là? Je m'attendais à... Bon allez monsieur, temps de guerre donc oui, effectivement c'est un petit un gars de l'armée. Je vais te dire, mes Pokémon m'ont sauvé la vie. Et ouais, ils ont battu, pas paralysé, c'est pas des électriques, hein. Ils ont battu mes ennemis avec leurs éclairs, une vraie boucherie. Il va t'arriver la même chose, compte tes dents, tu vas morph. Et c'est violent dans Pokémon bleu. Pas étonnant. Regardez-moi ça. Kimberley. Alors ça, c'est le nom qui va le mieux. Parfait. Tar-tar. Non, ça... Je vais prendre cher. Je vais prendre cher. On va changer. On va prendre Terra. Mais j'espère qu'il va pas nous faire une attaque haut, parce qu'on va prendre super cher. Forcément. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon. On veut le faire en cruel. En plus, il est type combat, donc il va mourir. Voilà. Allez, pourquoi on me goit comme ça, on va se calmer. Oui, c'est très vilain. Allez, hop. Tac. Tu décèdes. Oui. C'est bon, on a un Reptincelle. Ça gère Aeromite. Bon, on va regarder celui-là. Bon, Aeromite est type insecte. Ah, il a une drôle de tête. On dirait un papillon. Aeromite est type insecte, oui. Je suppose que vol c'est efficace. Et voilà. C'est très efficace. Parfait. Et Carabaf. On va garder Ptera, voilà. Je pense qu'il va monter au niveau 34. Il y a des chances. Suspense. Nope. Voyons ça. J'ai cru, mais c'est pas grave. Ouh, garde-vous. T'es un dur, mon petit gars. Très bien, prends le badge food. Oui, food, c'est de la nourriture. Blue gagne 2300. Hein, ça la mèche évolue. Direct, comme ça, boum.
première évolution de l'aventure. Incroyable. Insensé. Et ben c'est fini, voilà. J'espère que vous en avez profité. C'est magnifique. Ok, le badge foudre augmente la vitesse de des Pokémon. La vitesse. Ok, hein, je savais pas. Il permet à tes Pokémon de voler. Tu es un bon, mon petit gars. Prends ça. C'était 24. Normalement, c'est un onde de choc, je pense. Tonnerre, oui, tonnerre, mais. Je pense pas que ça. Je sais plus ça, j'oublie tout le temps. Est-ce que c'est celle-là? Ah oui, tonnerre, parfait. Qui peut la prendre? Personne. Ah, ça m'aurait arrangé si Ptera pouvait la prendre. Allez, Reptincelle. Du coup, vous savez quoi? J'ai envie de garder Reptincelle dans l'équipe. Le problème, c'est qu'il est un peu faible, c'est ça le truc. Donc... Oh, écoutez, non, on va le laisser. Il est niveau 16 en fait. Je regarde s'il n'y en a pas un qui serait sûr. 31 soporifique. Soporifique, il pourrait, mais il est pas terrible. Ouais, non, écoutez, on va continuer. On va voir ce qu'on aura sur le chemin. Par contre, oui, on va aller jeter des petites Pokéballs. Pokéball, Pokéball. On va en prendre 25. Voilà. On n'a besoin de rien d'autre. Alors où il faut aller? Il faut remonter à Azuria. Voilà, on y va rapidement. Donc il faut aller à Azuria pour prendre l'autre chemin. Est-ce qu'on avait laissé quelqu'un à la pension? Je ne sais plus. Parce que limite on pourrait faire ça en fait. Toujours fun de faire ça. Monsieur! Hein? C'est qui? Ton hood voulait. Ouais, mais on te voulait, c'était qui? Ah, c'était Topiqueur. Bon, écoutez, on va le laisser monter de 4 niveaux. C'est pas mal. Moment éternuement. Alors, on va aller par là. Ok, bon, ben finalement, on va garder Reptincelle. Là donc. Reptincelle. Voilà. Il va falloir faire un petit peu de coupe. Donc attendez, seul. Ah oui, on va devoir se taper toute la grotte là. Surtout que j'ai pas flash. C'est pas grave. Excusez-moi, je me suis mis en doute. J'ai tendu pas mal. Pas me tuer. Allez hop. Le. Et donc là je suis en vitesse. Hein. Le dresseur on connaît. Par contre toi. Hop là. Je vais même pas regarder ce que c'était. Téléport. Pourquoi pas. Non, c'est pas par là, c'est par là. Non, c'est pas par là. Monsieur. Dans ta cruelle. Gros yeux, qu'est-ce que ça? Laquelle? Donc on va mettre Reptincelle devant, on va essayer de l'entraîner. Je promets rien parce que ils sont assez forts ici. Ouais, déjà Coquillaz. Bon. Ah, il ressemble à rien, ça tueur. Reptincelle. Mon dieu. C'est vrai, Reptincelle, il se ressemble à fond. Allez, oulala. Pas bon ça. Bon, c'est pas grave. On va changer. Voilà. On va monter le niveau. Tempore du bord. Donc c'est pas par là. Je sais pas par où c'est en fait. Oh bah on est bien. Rapace de pique. Oui mais non, je peux rien faire avec lui. Boum, boum. 100 HP ça. Dragon feu. La mort. C'est par là. Si je passe. Oh, elle nous a même pas vu quoi la fille. Ammonita. Petit fossile comme ça. Fenard. Un Electek.
Tiens, un électrique, c'est sûr que ça. On va le taper. Encore une fois. Ok. Je vais pas espérer non plus. On va le capturer, lui. Peut-être pas garder sur soi parce qu'il est qu'au niveau 14. Allez. Allez. Tu peux le capturer. Voilà, parfait. Nickel. Oui, on va lui donner. On va l'appeler. Duracell. Pas mal ça, Duracell. Bon, on a encore capturé un peu comme mon dernier stade. Bon, écoutez, ce que je vais faire, on va refaire une séance comme avant. Comme dans les deux premiers épisodes, on va refaire une séance farming. Ça va être swag. On va faire monter Duracell de niveau. Je vais peut-être faire monter Reptincell, je sais pas. Il faut voir si j'ai le temps. Et on se retrouve après. Allez, je vous laisse. Oui, je vais filmer, on va faire en accéléré. Allez, à plus! Ce qui fait que j'ai enregistré 2 minutes sans le micro, donc je vais vous le refaire. Alors donc je disais que... Oula, non pas coupe. Je disais donc que j'ai pexé mon Reptincell au niveau 22. Il a rien appris comme attaque. Bon, c'est toujours une vraie tanche. À chaque fois je devais changer de Pokémon. Il est pas terrible en fait, je pensais, mais... Bon, c'est pas grave, j'ai appris Tunnel à Ossature qui a pris quelques niveaux aussi parce que c'est lui qui me servait pour entraîner Reptincell. Et Duracell est monté au niveau 24, donc je lui ai donné et je lui ai fait 10 niveaux. Je lui ai donné 10 niveaux, c'est pareil. Et je lui ai appris Tonnerre parce que, bon là il est monté 10 niveaux mais il a toujours rien appris comme attaque. Je lui ai donné Tonnerre parce qu'il avait que Vive Attaque et Gros Yeux. C'était galère pour l'entraîner. Enfin bref, j'ai formé pendant 20 bonnes minutes. Et ça donne ça. Alors donc, on va s'arrêter ici. On va pas aller plus loin parce que dans la grotte c'est assez galère. Parce que voilà, je vous montre. Et on va la faire en accéléré parce que bon, on va d'abord essayer de trouver un petit Pokémon parce que je suis toujours curieux de moi. On va pas se la faire en vidéo. Je vais la faire en accéléré. Tiens, Electrode, ça va être magnifique ça. On va se la faire en accéléré parce que elle est noire. J'ai pas du tout envie d'aller chercher Flash. Parce que beaucoup trop loin, voilà, j'ai la flemme. Aussi, c'est une des manières pour que je peux justifier ma flemmardise, c'est que c'est loin. Bon, donc oui, on va l'accélérer, puis on se retrouvera à l'avant-ville pour la prochaine, pour le prochain épisode. Bon, si tu veux bien mourir, voilà, merci. Puis j'ai monté le niveau, c'est magnifique ça. Ah, très bien, c'est lui qui a monté le niveau, ok. Bon, on va aller sonner vite. Pour pas oublier. Bon, allez. C'est ici qu'on se laisse. Encore une fois, allez. Mettez un like à la vidéo. Commentez-la. Partagez-la. Faites ce que vous voulez. Avec. Sauf aller aux toilettes. Oui, bon, je m'égare, c'est pas grave. Faites. Ce que bon vous semble, voilà, je ne trouvais plus le mot. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, je vous dis à plus. Ciao.